Aujourd'hui, je suis fier de remporter ma deuxième médaille au championnat d'Afrique. Et je suis fier de moi-même. Et je remercie aussi mon coach qui m'a motivé parce qu'au début, je ne crois pas si je peux faire le championnat d'Afrique. Mon coach m'a motivé. Même aujourd'hui, le matin, je ne suis pas sûr. Il m'a dit, tu peux le faire, Razak, tu es un champion. Et il faut croire à ce que tu fais et puis tu vas l'avoir. Et je suis fier aujourd'hui que mon pays vient de prendre deux médailles par moi et la fille Tekiet. Et demain aussi, nous avons des athlètes qui vont combattre. Et j'espère que, Inch'Allah, le Niger va avoir un classement dans le taekwondo africain. Et j'en ai appel à tous les Africains de se réveiller, de pratiquer le taekwondo. Le taekwondo africain a de l'avenir. Et Inch'Allah, bientôt, on sera à Tokyo pour défendre le continent africain. Merci. Oui, au fait, maintenant, je viens d'être champion d'Afrique. Ce n'est pas ça qui va prouver que demain, je peux faire quelque chose. Donc, je rentre deux après-demain, je rentre en Allemagne pour continuer à bosser, pour réaliser mon rêve qui est champion olympique. En fait, tout le monde travaille, mais il y a des sacrifices. Il faut se sacrifier sur tous les plans. Il faut abandonner tout que de sport. Parce qu'aujourd'hui, je viens d'une famille pauvre et je me suis donné à fond. Et grâce au soutien des autorités de mon pays et du comité olympique et ma fédération, et je dis encore merci à mon centre TCC qui est en Allemagne, à Friedrichshafen, qui m'a tout donné, malgré que je vienne de l'Afrique. Pour eux, je suis de Friedrichshafen, je suis de TCC. Donc ils m'ont donné tous les moyens qu'il le faut pour représenter mon pays. Merci.